Ah, c'est noir, non? Benjamin va être donc perdu. Bon, victoire. Victoire. On est très parti de ouf. Tu connais? Vraiment, ouais. Ouais, parce que ça, c'est le LSD, tu vois. Il est là, c'est le LSD. Je t'en mets dans le sang de Rockshire. Mon dealer après ma carrière. En fait, celle qui va partir avec, c'est WAM. Il ne sait pas parce que c'est un couillon. Allez, on y va! On y va! Oh! Eh, tu nous as cassé, Lise! Allez, tape une gueule! Ouh! Vas-y, là, touche moi! Il me touche les pieds là! Balance ton corps! Oh oui, le micro! Oh là là, qu'est-ce que je suis bien là! Oui! Grosse à la gauche, grosse à la droite! Allez, on y va! Laisse-moi kiffer là! Je suis tranquille jusqu'à décembre 2018. Allez, bonne année, bonne émission, bande de cons. Bon, on est d'accord? Plus personne. Vous êtes tous les fonds, les invités. Non, sont mais tous t'as des pas fait une promo, quoi. Je veux dire, moi, depuis 2h42, je fais la promo Bravo, de Lisa Mécouille. Christine Del Sierra, bravo, qui boit 17 Ricard en une heure. Mais c'est faux. Comme ta sœur, c'est Alphonse Brand qui est derrière. Alphonse Brand. C'est faux. Tout ça, c'est un tissu de mensonge. Oui. Sous Bélène et Vincent Azouz. Sous Bélène. C'est ça. J'ai pas fait la promo de la pièce, moi. Oh, ta gueule avec ta pièce. Il offre 50 places à tout le monde. Voilà, promo faite. Ouais, chiche. Allez, la promo de Vincent Azé, c'est parti. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Vous êtes là donc pour nous parler d'une pièce incroyable. Absolument. Mais alors, que se passe-t-il? Dites-nous tout, nous sommes impatients. Vous voulez jouir sur scène? Vous voulez regarder un spectacle extraordinaire? Je vous conseille d'aller voir au Splendide la pièce adopteunjules.com. On m'a dit, vas-y, mais prends une culotte de rechange. Oui, tout on rigole tellement qu'on mouille la culotte. Non, mais attends, il faut la changer. L'Athéna, si t'as plus de 50 ans, la petite coucouche. T'as pas vu ce qui s'est passé derrière? C'est pas pour le public de. Elle m'a tripoté, elle a vomi. Non, elle boit du pastis sur la table. Il faut pas gâcher. Elle lèche la table. Bélène, nous parlons donc de la pièce Au Splendide, adopte un Jules. J'en peux plus, j'ai envie de .com, bien sûr. Le succès, 400 000 spectateurs depuis. Mais alors pourquoi tu nous fais chier avec ta promo si t'as eu 400 000 spectateurs, t'as compris? Oh, dis donc, tu veux être comédienne, toi, c'est pas gagné. Eh, parle pas la bouche pleine. Et donc. Mais arrête de m'en mettre plein la bouche. Donc, cette pièce incroyable. Pour les éjaculateurs précoces comme oui. toi. Oui. Comment ça se passe? Parce que tu sais, Lisa, je vais te dire. Parce que je fais éjaculer la salle maintenant. Hein. Sinon, je fais éjaculer la salle maintenant. Hein. On embrasse Ramzy. J'étais content, j'ai réussi à bander un peu. Donc t'as enfin rempli un théâtre, 400 000 personnes. Oui, c'est tout ce que j'ai rempli. Adopteunjules.com. Allez-y tous si vous n'avez rien d'autre à foutre. Bon, ça se joue à Bordeaux. Le micro ça se joue à ça Bordeaux. Ça se joue à Bordeaux, aux victoires. Oui, au théâtre Victoire de Théâtre Victoire, places. Attention. Et c'est numéro 1 des ventes à Bordeaux. Oui, après le théâtre des Salinières. Donc, c'est pas mal. Les Salinières, on ne sait pas. Mais j'y serai sûrement en Victoire. Si vous voulez voir Lisa Del Sierra. Je t'inviterai. Venez donc avec au ta sœur. Théâtre Victoire. Mais je pense que Lisa, tu devrais faire du théâtre sérieux, sans déconner. Quoi. Mais écris-moi une scène, le rôle de ma vie. Regarde, Vincent, c'est un auteur. Alors honnêtement. Double d'or, la totale. Ma chérie, j'écris 5-6 pièces par an. Ce serait avec plaisir que je te ferai auditionner. Que je te ferai. Mais auditionner. Oh, c'est pourri comme proposition, c'est hyper pourri. C'est nul. Alors, sur Adopte un Jules, j'ai eu 45 comédiennes, il n'y a pas une qui peut dire que j'ai fait une allusion. Jamais. Non, tu les as niqués sans rien dire. Non, jamais. Non, non, non. Non, tu graves. Non, mais il était masqué en fait. Donc je peux auditionner habillé. Ouais, complètement. D'accord. Soit des poils au bras, je suis contre les poils au bras. Je peux m'épiler. Fais voir ton ventre, Vincent. Putain. J'ai pas de ventre. Ce ventre-là. Mon dieu. Oh, épile-moi ça. Il a une moumoute dans le nombril. Mais c'est pour l'hiver. On dirait un petit cul. T'as vu une moumoute. On dirait un petit cul. T'as des poils, mais t'as plein. Mets ton doigt, mets ton doigt. Mets ton doigt où t'as dit. Ah, je dois être le nombril. Je suis bloqué le nombril. Ça me rappelle, tu vois. Oh my god. Putain, c'est la chatte d'Oxana. Putain, c'était la vanne récurrente du soir. Viens, on appelle. Pour ça, je l'auditionne même pas, je la prends direct. Attends, on l'appelle. Il est où mon portable? Oui, c'est ce que j'allais dire. On appelle Oxana. Ah ouais. Lisa, t'as le numéro d'Oxana? Attends, mais assez bien. Non, si, on joue absolument pas dans la même cour. Moi, je suis pas en CP. Alors, moi j'ai le bac. Combler l'émission, je regarde si on peut l'appeler. J'ai le bac anal. J'ai un bac L. Comme lesbienne. Donc, alors pour auditionner, faut faire quoi, mon petit chat? Là, en fait, tu m'as tellement fait rire que je sais même pas si je peux auditionner. Attends, j'auditionne. Non, je crois que t'as même pas besoin. J'ai pas besoin. Putain, j'ai même pas besoin de ça. T'appelles qui? Oxana. Le bâtard. Sérieux? Putain, je sens que c'est elle. Oxana.
Tatiana. Elle a 3 étoiles quand même, hein. Tu l'as peut-être. Non, toutes les actrices porno ont 3 étoiles avant leur prénom sur mon téléphone. Ouais, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah. Allô. Allô. Bonsoir Roxana, c'est Elisa Del Sierra, ça va? Oui, ça va très bien, et toi? Mais super, je pensais à toi. Ah bon? Ça fait hyper longtemps. Chut, tais-toi, toi. Ouais, ça fait hyper longtemps et j'ai vu sur Twitter que tu faisais plein de choses et tout. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler. Ah, bah, écoute, c'est gentil. Non, mais elle sait que t'es avec moi, c'est mon numéro. Mais je suis avec Dudu, bien sûr. Ouais, j'ai vu qu'il avait drôle de voix, Dudu. J'ai dit, putain, il a laissé parler son côté féminin. Attends, balancez pas de dossier, précise qu'on est en direct quand même. Oui, on est en direct à la radio. Mais n'empêche, on parle d'elle. Ah, ouais, d'accord. Donc, on l'appelle. On n'arrête pas de parler de toi. Oh bah parce qu'on gentil, parlait de la Vierge et le Démon avec Jack Tyler qu'on avait fait ensemble. Ouais, alors là par contre, ça, c'est pas un super souvenir. Jack Tyler. Bah, c'est le cousin de Jack Fass. Ah merde, moi je me rappelle pas des mauvaises choses. Moi j'avais passé un super film. J'étais contente que tu sois là et tout. Ouais. Bah ouais. Mais je me rappelle jamais du mauvais. Tu te souviens pas, mais il était galère ce mec, c'est une catastrophe à lui tout seul. Donc tout le monde balance des dossiers sur tout le monde. Attendez, elle dit quelque chose. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Qui a dit quoi? Non, je dis c'est un mec qui est vicieux, mais malheureusement il a pas le vice bien placé quoi. Ah, oh, ok. Genre bah ouais. Lisa, oh bah moi ça m'a pas dérangé. Du genre que, enfin, genre ça sur la scène, les lits ils sont pas faits, c'est bizarre quoi, tu vois. Si, carrément. Moi, je voudrais faire un film qui s'appelle La Dame aux Camélias. Arrête. Ok, et non, mais j'avais pas ce. C'est... Vous êtes combien dans votre bande? On est quatre. Il y a Lisa, Julien. Ouais. Ouais. Tu peux m'appeler Julien. Il y a mes couilles qui est là aussi. Non, c'est Vincent. Vincent Azé. Mais personne ne le connaît. Vincent Bazé. Et une super jolie nana. Vous allez vous pécho toutes les deux. On va peut-être se pécho. Ouais. C'est fort probable. Ouais. Avec plaisir, mais bon. Non, avec Lisa. Enfin bref, salut Oksana. Bonsoir. On te fait des bisous. Bah, on est très contente que tu sois là. Plein de bisous à vous. Ouais, ben bah, écoute. Bisous. Plein de bisous à vous tous aussi. Et Oksana, elle a un OnlyFans. Vous pouvez la voir. Elle met plein de vidéos coquines. Tu te rattrapes donc. Ouais, je me rattrape pas. Je fais la promo de Oksana. D'accord. Ouais. C'est YouFancyMe ou OnlyFans que t'as? Non, c'est Twitter, Facebook. Et mon site, c'est oksana.fr. Oksana.fr. Voilà, pour voir la belle Oksana, merci, la fille du Nord, magnifique. Venez nombreux et applaudissements pour Oksana. Applaudissements. Ouais. Merde, j'ai renversé, putain. Ah ouais, toi t'as raccroché direct, toi. Ouais, je raccroche direct. Oh putain. C'est bon, ça suffit, il faut arrêter de faire souffrir les animaux. Faut les achever à un moment donné. Mais elle est toute mignonne au téléphone en plus, vous êtes des enculés, ça n'empêche pas qu'elle pue. Quoi? Mais moi je suis hyper malhonnête, moi j'ai aucune couille. Moi je suis pas une meuf franche, qu'on le sache. Moi je suis hyper vicieuse et j'ai le vice mal placé comme elle dit si bien. De manière générale, vive le sud-ouest. Moi je suis Toulouse donc Bordeaux c'est un peu le nord du sud-ouest. Attends, parce que là tout se passe bien, mais à 23h on sera des connards tous les trous ou pas? Bien sûr, les choses étaient là. Probablement. Les trois, c'est-à-dire sans moi ou quoi? Comment ça se passe? Non, sans moi, non, sans Oksana depuis tout à l'heure. C'est le club des enculés ou quoi? Comment ça se passe? Vous êtes des bâtards. Bon, les amis. Ouais. Il nous reste 10 minutes. C'est ta mère qui me demande à quelle heure tu rentres. Il y a pas de radar là. Bip. Quoi? Tu disais quoi toi? Sur ta musique de merde? Non, mais ça, c'est la musique pour annoncer la pause musicale. Mais si tu veux, je t'en ai. Ah, vas-y, musicale nous, musicale. Ah bah non, pas du tabac, putain, on a rien à fumer. Non, mais c'est bon, dans 10 minutes, on rend l'antenne. Mais alors, j'ai quand même après, j'ai un super plan, Lisa, je t'emmène avec moi si tu veux. Dans un donjon, cool. Moi, je viens aussi, je peux venir, moi, mes couilles. Non, mais toi, tu mérites pas, toi. Toi, putain. Tu rigoles ou quoi? Putain, je suis dégoûté. C'est en train de se voir que tu veux pécho, Lisa. Non mais attends, mais voilà, je sais quelle est la valeur de je Lisa. Sexe. Je vais finir homosexuel. Bon, on finit par mais des je peux t'emmener aussi, Océane, ne me regarde mais pas comme ouf, ça de la moi, sorte. Moi je suis avec Océane, moi je suis avec Océane. Alors, mais tu rigoles ou quoi, la 18 ans, t'es ouf ou quoi, je te fous un coup de boule. Mais enfin, sale con de Lisa, vieux pervers. Je suis un pervers, bien sûr, je suis un pervers. Elle s'en bat les couilles. Moi je m'appelle Gainsbourg. Est-ce qu'on finit par des petites questions auditeurs ou pas? Avec la voix de Benjamin. Hey, mais ta gueule, je vais la sucer. Ça, c'est Benjamin. Ouais. Je suis vraiment une connasse. Non, mais Benjamin, il se rase. Donc, il mérite de rase quoi bon, il se rase la barbe. Oui, mais il se rase pas les couilles. Moi, je me rase les couilles. Je ne gère plus ces moi, mes couilles sont rasées, tout va bien. Montre-les-nous, Vincent. Quand t'as une grande gueule dans le prévu, je pense que t'as un tour à faire quand même, tu vois.
Donc nous disions. Et moi, j'ai dit pour les garçons. T'es et moi, je dis. Moi, je dis que pour une meuf qui va rester une demi-heure, t'es quand même resté 3 heures. Hein. C'est normal, elle croit qu'elle va pêcher Lisa avant de partir. Pas du tout, je savais que j'allais rester jusqu'à 23h parce que je suis faible. Ah oui, elle fait ta promo, tu moi, viens. Moi, je veux pêcher aux 4 heures. Tu viens à Moret-sur-Loing. Si ça intéresse quelqu'un, quoi. Bon. Vas-y, fais ta promo. Allez, on t'écoute, tout le monde t'écoute. Silence. Je joue dans une pièce qui s'appelle La logique des femmes. Bonsoir. Une très bonne pièce, pardon. Auditeur, auditrice, voilà. Vincent Azé est venu la voir. Bon, pas avec moi, mais. Non, j'y vais avec des vrais comédiens. En l'occurrence, voilà, avec une autre meuf, sans doute, qui a été très gentille avec lui. Qui l'a sucé, je décrypte. Virginie Stavno, si nous écoute. Mais je pense qu'elle suce, mais son mec, hein, je pense. Mehdi, si nous écoute. Voilà. Et donc, non, je joue dans La logique des femmes, qui est une très très chouette pièce, bientôt près de chez vous, voilà, parce que je suis en tournée. Elle suit son tournée. Et probablement le 3 février à Moret-sur-Loing. Charmante petite bourgade de Seine-et-Marne. Voilà, où habite Julien, enfin pas loin. Oui, pas loin. Tu veux pas balancer mon adresse aussi? Si, alors hein, Julien oui, habite. Est à Moret-sur-Loing en ce moment. Julien habite au 61 rue 69 de la Marne. T'habites à Moret-sur-Loing, toi? Oui, rue de la Schneck. Sérieux? C'est la rue qui pue. À c'est Fontainebleau. C'est ma voisine. Il faut savoir que Julien habite rue de la Femme Fontainebleau. De la Femme Fontaine? De la Femme Fontainebleau, c'est bien ça. C'est bon ça ou pas? Et Oxana habite impasse de la Chlamydie. Impasse de je passe pas. Ça se passe de ça pue. Allô, ça sent? Ouais, c'est moi. C'est une impasse, demi-tour. Demi-tour immédiatement. Oh putain. Les vous voir, non mais je tiens à informer les jeunes femmes et les femmes qui nous écoutent. On a niqué ta promo. Qui sentent de la schneck. Cela cela n'est pas une fatalité. Cela n'est pas une fatalité. Avec Géliophile en parapharmacie. Une petite ovule chaque soir pendant 7 jours. Il faut arrêter, oui, si alors, tu arrêtes sur la schneck, en fait. Arrête de bouffer de la friture et du je fromage. Peux rajouter... Dis à ton VTC de venir un peu plus tard. Arrête de bouffer des asperges. Il va t'attendre longtemps, je crois. Je vais rajouter au mec, lavez-vous la bite. Le gland, c'est la vie. Lavez-vous la bite aussi, ça si compte aussi. Si ton mec pue de la bite, forcément, tu pues du cul. Ouais. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Tu vas te faire sucer, Bertrand. Si y a de la feta, n'y va pas, je t'en supplie. Heureusement qu'il y a écrit à bout de mon si émission. Si tu sens de la feta au bout du gland, si tu sens la feta au bout du gland, lave-toi le gland, lave-toi, lave-toi le gland, lave-toi le gland, ça sentira bon. Donc faites-vous circoncire les hommes. Non, ouais, ça c'est voilà. Pas vrai. Alors attends, si, parce que moi, si, non, c'est un vrai. Gros débat. Ah non, attends. C'est très vrai, c'est très attends, vrai. C'est un mec qui est circoncis, qui se tape pas la bite, il pue de la bite. Tu parles à une femme qui a fait un aller-retour à la lune en termes de kilométrage de bite. Mais non, mais arrête. Mais arrête, moi je me lève la queue, je te la fais sentir maintenant, elle sent bon. Parce que... Je suis sûr qu'elle pue. Mais non, mais non, parce que je me lève la queue. Elle sent le pastis. Mais faut hein. Se la... Il s'est fait la goutte 2 ou 3 fois parce qu'à son âge, il a des petits soucis de prostate. Va oui. Te faire enculer, bien profond. Si ça sent le pipi, c'est pas grave, l'énigme. C'est naturel. Non. Mais le fromage, ce n'est pas normal. Non, putain. Quelle grosse je ne cautionne pas cette émission. Je ne cautionne pas cette émission. Non, moi ce que je dis c'est qu'il vaut mieux avoir une bite non circoncise lavée qu'une bite circoncise pas lavée. Oui, mais ça n'existe contre, pas effectivement... une bite circoncise pas lavée. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Non, c'est n'importe parce quoi. Parce que ça. C'est éducationnel. Ouais, exactement. Mais n'importe quoi. Attends, écoute, t'as jamais su ça en séfarade? Mais tu si, sais pas. Et si. Justement, je peux en parler. Benjamin, si tu m'écoutes, appelle-moi pour dire que tu suis la bite. Benjamin, il n'est pas coupé. Je peux te dire à boire et à manger. Il y a des morceaux. Bon, Julien, là, je veux dire, on t'a niqué tes 15 minutes où tu voulais faire un truc. Quoi, vous êtes bien, là. On est bien. Regardez-vous. On est bien. Tout ça. Arrête. Ah oui. Le caméraman. Je vais tomber en hey, on va pas raconter nos histoires drôles, putain. Ah, ah ouais oui, non. Ah ouais, je vais raconter mes histoires. On fait les histoires drôles. Il me demande si je l'aime. Tu veux qu'on se marie? À Las Vegas. Eh, mais il est grave, c'est ça, les mecs, quand ils ont trop bu, c'est genre ouais, ils sont amoureux. Et toi, t'as l'impression alors, attends, que t'es spécial, t'as l'impression que tu vaux quelque chose. Ouais. Non, mais non. Demain, il m'aura oublié. C'est que du mensonge, quoi, même. Bâtard. Enculé. Salaud. Tu penses que j'ai trop bu parce que j'ai bu 4 pastis? Tu me connais pas bien. Non, mais attends, tu commences à faire des déclarations d'amour et tout. Je dirais pas que j'ai jamais fait. Mais justement, c'est pour ça que t'as jamais bu quand t'as baisé avec moi, merde. Et moi, s'il a pas bu, il bande pas, il est trop impressionné. Quoi? Oui. Ça marche pas ton micro, Juju. Ta gueule, là, il marche, on est mariés. C'est vrai? Je parle pour lui. D'accord. Donc, tu dis Vincent, je dis quoi?
Quoi? On dit Vincent, on dit quoi? Lisa Azé, ça passe en tant qu'actrice? Lisa Azé, mais je passe direct, c'est comme Goldberg, Goldstein. Non, mais ça ressemble à rien. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle passe du porn à l'humour. Lisa Azé. Ouais, mais est-ce que je peux balancer un dos? C'est parce que mais Vincent. Mais tu sais pas à quel point. Non, mais c'est vrai, ça se passe. Mais t'as pas idée à quel point je suis incroyable. Vincent, il a une fille qui s'appelle Elisa. C'est vrai. Nous est dans une. Et alors, ça peut pas marcher, quoi, Lisa. Non, mais si ça marche, ça marche. Non, parce que ma fille, après 8 ans, je l'ai plus touchée. Trop vieille. Ah putain. Tu peux pas dire des trucs comme ça à l'antenne. Elle nous écoute en plus. Il aime quand elle babille. Et sinon je m'appelle Emily si tu veux. Emily ça te plaît? Ouais, ton vrai mais prénom. Tu veux. Je Emily, m'appelle Emily Louis Jolie. Nom de mon père. Ah non, papa. On a dit papa. Non, pas papa. Non, papa ça me gêne maman. Parce que si on parle de mon que père, si ça on me gêne. Pouvait éviter de faire papa dans maman et maman dans papa, ce serait bien quand même, non? C'est ça changerait un peu. Ouais. Un peu. Comme nous, ça reste toujours en famille. Hein. Alors, faisons les blagues. Ah oui, on fait les blagues. Allez, alors, ouais. On en était où? C'est quoi le géant vert qui se promène avec une hache dans un champ de maïs? Vas-y, on t'écouille. C'est un céréal killer. Putain, c'est le nom de mon court-métrage en 93, je crois. Oh, ta gueule. Vincent, une petite blague de merde, s'il te plaît. Attends. Bon, j'en ai une. Oh non, le mec, il regarde sur Internet. Je m'en bats les couilles, je balance ma blague antisémite. Oh, j'adore. Y'a plus de limite. Vas-y. Quel est le point commun entre les chaussures et les juifs? Les chaussures et les juifs, oh putain. Elle est bonne. M'en bats les couilles, je suis juif, j'ai le droit. Oui, vas-y. Il y en avait plus en 39 qu'en 45. Bravo. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Spécial dédicace à toute ma famille, toute mes amis. Vincent. Alors, comment on appelle les... Tu sais comment ta on mère. C'était la chute. Comment on appelle... Ta mère. À l'époque ta des mère. Dinosaures la mère. Qui étaient homosexuels. Ta mère. Attends, j'ai pas entendu la vanne, ta gueule. Comment on appelle les dinosaures qui étaient homosexuels à l'époque? Ah, ils étaient... ta mère. Les tripotlanus. Les tripotlanus. Nul. Merci Google, regardez sur son téléphone. Attends, moi j'en ai une. Il triche complètement. Le mec n'est pas drôle en fait. Attends, écoutez-moi les deux. C'est une blague trop intello, il faut réfléchir un peu. Rapproche-toi Nicolas. Tu vois genre, c'est Joseph qui parle avec Marie le soir de... Enfin voilà. C'est Joseph qui parle à Marie. On n'a pas compris. Attends. C'est Joseph qui parle avec Marie en Galilée. Et tout d'un coup il fait... Quoi? Et la chute elle est où? Allez, moi j'en ai une bonne. Ah, mais faut comprendre. Quelle est la différence? Non, mais putain, c'est Marie qui dit. Ta gueule! J'ai coupé son micro, vas-y, Vincent. Je te prête mon Quelle est la différence si entre des brocolis et la sodomie? Les brocolis et la sodomie? Ouais. C'est un truc d'enfant, faut pas. Ouais, il y en a pas. Même avec du beurre, les enfants ils aiment pas. C'est quoi? Attends, moi j'en ai une. C'est quoi le point commun entre un mec et des pruneaux? Bah, les deux font chier. Après les avoir sucés. Les deux font chier quand même. Oh putain. J'en ai une. On est nuls, putain. Ma meuf, c'est comme mes pantoufles. Je suis bien dedans, mais j'ose pas sortir avec. Ouais. Oh le bâtard. Et t'as réussi à faire un enfant quand même? Ouais, 4. Ouh loulou. 3 de pas déclarer. Vincent, on t'écouille. Qu'est-ce que dit un rasta quand il a arrêté de fumer? C'est quoi cette musique de merde? Putain, tu rentres pas en voiture, Belen? Non, je rentre okay. Avec mes pieds. Et aussi, c'est quoi qui est jaune avec une cape et qui passe à travers les murs? C'est une banane supersonique. Et c'est quoi qui est rouge avec une cape et qui s'écrase contre les murs? Ah ouais, donc on balance plus. Ma mère, c'est en deux fois quoi. Okay. Une fille qui a sa règle. J'ai roté dans le micro. Non. J'adore. Refais-le voir. Je peux pas, c'est pas ça. Non, mais attends, Madonna. Les gens, ils ont pas suivi. T'es dégueulasse, Vincent, merde! Dès que j'ai envie de taper, je te dis, t'inquiète. Non, mais les gens, ils ont pas suivi ma blague. On la refait, on t'écoute. Alors, c'est quoi? C'est en deux fois. Donc, c'est quoi qui est jaune avec une cape et qui traverse les murs? Mon père. C'est une banane supersonique. D'accord. Et c'est quoi qui est rouge avec une cape et qui s'écrase contre les murs? Super tomate. Bah c'est une tomate qui se prend pour tomate pour un personnage. Pour tomate cerise. Hé, comment on appelle un chat qui a pas de pattes? On l'appelle pas. On va le chercher. Qu'est-ce qui est le plus? Attends, j'avais une blague attends, drôle mais je l'ai oublié. Attends, moi d'abord. Qu'est-ce qui est le plus dur à cuire dans un légume? L'œuf. Le fauteuil, ouais. Bon bah les couilles, je suis soignante, j'ai le droit. Où est-ce qu'on trouve un handicapé? Je sais pas. Et bah là où tu l'as laissé.
Oh, putain, c'est, quoi, c'est quoi un canif? Un petit fien, mais un ça c'est un, c'est un caniche au portugais, non? C'est pas ça? Un canif. Un petit fien. Un petit fien. Sans déconner. Bravo. On est nuls. On est tellement nuls qu'on est géniaux. Et on a même réussi à pas faire de blagues sur les meufs. Non, on a fait les juifs. Ah oui, après on s'est viré. Ouais. C'est quoi une salope? Ta mère. Non. C'est quoi une salope? Ma mère. Sa mère. Toi. La mère de tout le monde. C'est quoi une salope? Toi. Toi après minuit. C'est une meuf qui dit ouais à tout le monde, sauf à toi. Mais c'est moi. Oh la salope. Putain, c'est moi. Oui. C'est une blague de déproche. T'es nul, Vincent. Quoi. Quel voleur. C'est une blague. De déproche. Tu dit... devrais lui jeter ton verre de Ricard à la gueule. J'ai pas dit, c'est mes vannes. On a dit, c'est les vannes. Le reste, Vincent, les vannes. Tu me déçois comment t'étais. Ah venu. Refais-le, le caméraman, il est pas au taquet. Et en plus... Ah. Et en plus, je pense pas que ce soit des proches. Voilà. Si, c'est des proches qui a dit ça. Si, ah, si, je parce que j'ai lu Lisa. Des proches par des proches. Lisa, c'est lui. Remplis ta bouche. De Ricard. Non, mais... Refais-moi cette séquence en gros plan. Ah. Pour une fois que c'est une meuf qui éjacule sur un mec. Elle vient de lui cracher le pastis à la gueule. C'est l'éjac facial. Et Lisa de Chiara m'a éjaculé dessus. Et la curación, la corrida. L'éjaculation, c'est la corrida. Il y a encore des gens qui nous mucho. Écoutent, sérieux. Te gusta la corrida. On peut refaire un point SMS. Non mais sérieux, je voilà. On n'a pas des petits mouchoirs quand même. Moi, ah bah non. Parce que j'éjacule à travers une passoire, moi. Est-ce qu'il faut que j'essuie? Mais arrête, quel bâtard. La robe de ma sœur. Oh, Océane, je t'aime. Vas-y, je vais te faire une gifle. Je vais faire ça. Tu sais quoi, une gifle? Attends, ouais, c'est comme ça. C'est une gifle, mais sans les mains. Ah, une gifle avec les nichons. Ah bah attends, j'ai... Oh. Il y a de très beaux seins pour ton âge. Viens là, Nicolas, mais t'es trop loin, tu m'emmerdes à mal filmer. Refais voir, on la refait. Ah non, trop tard, là. Putain. On a raté les meules, du siècle. Hein. Putain, tu les as bien filmées ou quoi? C'est quoi le nom de la pièce déjà? Au Splendide. Attends, enlève ce bouton. 3, 2, 1. Non, j'enlève rien du tout, il fallait regarder avant. On les a moi, quand j'ai même. J'ai beaucoup aimé cette séquence. Vous avez raté. Il me fait chier ce siège, pourquoi je suis loin de vous là? J'ai fait une fausse route. Tarte, là. Une fausse couche. Une fausse route. C'est moi qui fais ça, personne d'autre. Non, personne. Tu m'appartiens maintenant. Personne plus jamais. Tu es à moi. Ah, oui. Tu es la mienne. Ah, tu es mienne. Oui. Mamie. J'ai me branler, j'arrive. Tu es ma milf. Mamie Blue. Mamie Blue. Blue. La schtroumpfette. Allez, continuez les meufs. La schtroumpfette, c'est mamie Blue. Oh ma milf. Oh ma milf. Ma milf blues. Oh ma milf blues. Oh putain. Tu sais quoi, cette émission, elle est mieux quand on l'écrit pas. Bordel. Allez nous laisser faire, c'est tout. Le talent. Grave. On va rester là jusqu'à 1h du matin. Putain, et d'ailleurs, il faut rester avec nous parce que... Ouais, préviens-lui, t'as 30 minutes de retard. À minuit, en fait, c'est le nouvel an. Ah oui. Oh ouais. Merde. Moi, je propose qu'on attende jusqu'au 16 février, c'est le nouvel an chinois, faut qu'on attende. Ça, t'as des cheveux à elle. Qu'est-ce que tu fais? Je me rhabille. Je me rhabille parce que j'ai voulu faire une nifle à Vincent. Et donc une nifle, c'est voilà, c'est comme une bifle avec des nichons et les filles. Il faut faire ça aux garçons, ça les calme direct. Oui, alors c'est vrai, ça m'a calmé direct. Bah, dis-le de monter au pire, ton VTC. Ouais. Tu veux le dire de monter? De le démonter. Oh, le démonter. Ah, tu veux le monter au 6ème étage? On fait une pause musicale, on va le chercher avec la caméra. Allez, ça marche. Allez, c'est parti pour ah, on est tous invités au VIP room ce soir. Ah, bah cool. Okay. Qui s'en bat les couilles? M'en bat les couilles, m'en bat les couilles. C'est quoi, c'est un auditeur qui t'invite? Non, c'est le patron. Bon, c'est qui, comment il s'appelle? C'est un mec connu, non? Oui, un petit peu. Yvan Le Bolloc, un truc comme ça, non? Non. Hein? Genre le rock. Oui, un peu plus. Ouais, enfin, il y a un truc en rock, quoi. Ouais. Suspect Bolloc. Michel Larocque? Ah, bien, vient de me dire que mon dealer est dans le coin si j'ai un trou. Je ne comprends pas cette question. Moi, c'est un trou, je peux le combler. C'est rigolo ou pas? C'est marrant. C'est hyper marrant. Oh, un tuyau. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai rendez-vous dans un donjon. C'est vrai? Attends, on ira ensemble. Prends ton temps. On rend l'antenne après, on ira au donjon après. Non, mais t'es invité, toi ou pas? Bah oui, parce que tu m'as invité, on se suit. C'est vrai? Ok, ça marche. Chiche. Oui. Bon, entre chausses, on va y aller là. Tu descends pour de vrai? Bah, j'ai mon dealer est là quoi. J'ai plus de weed. Bon, les amis, on rend l'antenne pour de vrai? On va boire un coup. Ouais, bah voilà. Ah oui, d'accord. Sauf si s'il y a une personne à l'instant qui nous dit qu'on rend pas l'antenne, on peut faire un rap de 5 minutes.
à l'instant, s'il y a quelqu'un qui nous tweet un truc comme quoi, non, c'est trop là, c'est pas la fin. Non, machin, mais là, on se casse, hein. On s'en fout. Hein. C'est vrai? Bon, je suis pas crédible là. En fait. Lisa, Vincent, résumé de promo et on se dit merci, au revoir quand même. Juju. Faut bien Scandale au vestiaire qui sort chez Marc Dorcel prochainement. Ouais. Et je suis la rédac chef avec Vincent Azé de Dorcel Mag en juin. Oui, absolument. Avec Vincent Azé. C'est nouveau ça. Invité ouais. Sur mon petit Dorcel. D'accord. Mag. Okay. Alors moi, j'ai. Non mais moi, je veux bien elle faire aussi, des. Moi, je fais une page. Mag. Je fais une page. Mais ouais, mais je viens te voir. On est rédacteur en chef. Allez quoi. Alors, ah moi, non, j'ai je suis un promo, hein, j'ai donc Adopte un Gilles ah, au Splendide. Adopte un Gilles au Splendide, changer de culotte les filles. J'ai Jarry en tournée. J'adore Jarry. C'est vrai ? J'adore Jarry. Cool. Faut trop que tu me le présentes. Ah bah, avec plaisir. Vincent Azé, il faut suivre ce qu'il fait parce que c'est quand même un mec qui a du talent. Parce qu'il a que 2499 followers et il est pas loin de. Parce qu'en fait, je suis un mec de l'ombre. Donc j'ai Alain de l'ombre. Quand on a baisé, t'avais laissé la lumière allumée. J'ai Tinder surprise. C'est Londres, la capitale de l'Angleterre. C'est Londres, c'est ballon. On comprend rien ce que tu dis. Bon, j'ai 5 spectacles à Paris, vous voulez savoir, donc, allez sur Vincent Azé, Open Space, voilà. Sur Facebook, adopte-agile.com. J'ai 5 spectacles à Paris. Et sinon, Bélène, aussi, Et sinon, si toutefois, quelqu'un peut s'intéresser à ma petite personne à un moment donné, moi, je veux bien continuer à parler dans le micro pour rien, en fait, parce que comme ça, tu vois, je vois bien que les couples se forment et que personne n'en a rien à voir. Adopte-agile.com ou Splendide. Viens avec moi, on va se démerder. Adopte-agile.com ou Splendide. Je m'en fous parce que je vais emmener Julien dans le donjon, il va se faire adopte-agile.com ou Splendide. Ça va être un truc de ouf. On va bien rigoler. Bon, c'est bon, promo fait. Vincent Azé, adopte-agile.com ou Splendide. Ah, sinon, et la logique des femmes quelque part en France. Voilà. C'est bon, on a tout ? Et je vous ferai des bisous si vous venez me voir après. Voilà, voilà. Oh yeah. Et vive les Harley Davidson. Oui. Eh, il y avait ça d'ambiance. Angel, support 8-1. Il y avait ça d'ambiance pendant non, mais toute l'émission. Mais il y a encore l'émission. Des gens là, on ou pas. Parce qu'en fait, moi je suis un fan d'Harley Davidson. Ah ouais ? Moi je suis un fan des. Donc on s'écoute. On s'en met les couilles. Ah ! C'est quel MC par donc exemple ? Donc on s'écoute un Johnny ? Ouais. Mets-nous un truc bien quoi. Mets-nous la bien quoi. Tu vois ? Ça support Normandie. Si tu peux nous mettre une bonne chanson bien profonde. Bon, les amis, on rend l'antenne sur une musique rock'n'roll. Outcast MC Bordeaux. On est là. Vas-y, mets-nous une musique là, une musique rock'n'roll. Tu veux quoi ? Un petit Johnny ? Allez, on a écouté quoi tout à l'heure ? Tout à l'heure, c'est le blues, toute la musique que j'aime là. On se fait quoi ? Allumer le feu. Quelque non, chose. C'est nul, c'est à l'envie. Ouais, l'envie, putain ! Je vais la chercher alors. C'est toi l'envie là ? Combler 3 minutes, je vais la chercher. Oui. Mais moi je t'emmène faire un tour. Ah Harley ? Non, c'est moi. T'as une Harley ? C'est vrai qu'il a une Harley. Moi j'ai une grosse Harley maintenant. En plus j'ai changé en fait. Mais ouais, je t'ai vu avec. Mais j'en ai changé. Moi aussi j'ai changé. Bon les amis, tout se passera. On va se faire un Facebook live, on rend l'antenne. A tout de suite. Enfin non, bonne nuit à tous. Je rends l'antenne là, j'en peux plus, il y a trop de bordel. Non mais c'est beau, c'est beau. Attends, j'ai tout par terre, là, c'est pas possible. Mais je la connais ta grosse. Je perds le pied de mon matou. La grosse Harley, tu la connais ? Ouais, tu connais. La grosse Harley, je la connais très bien. Je connais ta grosse tout court. Bah ouais. Ça aussi, ouais. Je connais ta grosse. Elle est grosse et courte en fait. C'est ta non, grosse. Ta grosse toute courte. Oh, elle connaît ta grosse toute courte. Mais courte, c'est relatif. C'est moi, relatif. Je crois que c'est par dessus. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis plus on a rendu l'antenne, hein. Ah oui, je t'arrête. On n'a pas dit au revoir quand même. C'est caché. Ah bah, j'ai pas dit au revoir. Je peux te cacher si tu veux. Si tu veux non, je vais aller aux toilettes. Mais toi, tu veux trop. Eh, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est ma soeur, tiens. Bon, allez, je vais aux toilettes mettre mon soutif. Attends, je te mets. Non, j'ai ma soeur. Non, tu te le mets rien du tout. Assistante Océane, on va remettre le soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est ? Ferme. Allez. Qui a craché sur ce fauteuil ? Je sens que c'est la mienne. C'est de l'eau. Ah, putain. Elle en peut plus. Non mais il faut arrêter de filmer à un moment donné. Ça ressemble plus à rien, tu vois.